إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors, nous allons aujourd'hui rentrer dans l'explication du livre. On a terminé l'introduction. Et on a rappelé les règles, n'est-ce pas, qu'il fallait retenir. Et, alhamdoulilah, nous avons terminé. Maintenant, nous allons rentrer dans l'explication du livre. Bismillah. Alors, le cheikh ici dit, Bismillahirrahmanirrahim. Il commence par ça. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit, Alhamdoulilah, illazi arsala rasulahu bilhuda, wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli. وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له اقرارا به والتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا جيد. Alors le cheikh ici il dit ceci, louange à Allah celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur les autres religions. Et Allah suffit comme témoin. Il dit ensuite, je témoigne qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, sans associé. N'est-ce pas? Et je témoigne également que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et il fait quoi? Il prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ici le cheikh il a dit, je témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité tout entière. À l'humanité tout entière. Donc le cheikh ici commence par l'attestation. Il dit, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration d'Allah, en dehors d'Allah, pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à Allah seul qu'on doit adorer. Et il dit ensuite, j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Comme vous le savez, le prophète, il est messager et prophète. Hein? C'est vrai, les savants, il y a une longue divergence des savants sur est-ce qu'il y a une différence entre messager et prophète. Mais ce qui est juste, c'est qu'il y a une différence entre messager et prophète. Et les savants disent quoi? Que tout messager est un prophète, mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. Ça, il n'y a pas de doute qu'il y a une différence. Jade, ce qui est juste, c'est qu'il y a une différence. Mais maintenant, quelle est la différence entre le messager et le prophète? Il y a une grande divergence des savants sur la question. Certains savants ont dit que un prophète, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a reçu la révélation d'Allah, pardon. C'est quelqu'un qui a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dont on n'a pas demandé de transmettre cela. Lam yu'mar bi tablir. Par contre, le messager, lui, il a reçu la révélation et on lui a demandé de transmettre le message. Ça, c'est un avis des savants. D'autres savants disent, un messager, c'est celui qui vient avec une nouvelle législation. Un nouveau livre, une nouvelle législation. Par contre, le prophète, lui, il vient confirmer en fait la révélation du prophète qui est passé avant lui. C'est-à-dire, lui ne vient pas avec une nouvelle législation. Ça, c'est un deuxième groupe des savants qui sont allés à dire cela. Un troisième groupe des savants dit que le messager est celui qui est envoyé à un peuple qui contredit, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui contredit le messager dans l'origine de la croyance. Le prophète, lui, l'a envoyé vers un peuple qui est en conformité avec lui sur la base de la croyance. Sauf qu'il vient faire revivre les principes des prophètes qui sont passés avant lui. Ça aussi, c'est un avis. Et nous penchons plus vers le troisième avis, même si
La masse à la quand même, il n'y a pas vraiment des dalils clairs sur la question. Hein. Le débat, il est très, comment dirais-je, très compliqué en fait. Yeah. Donc le sujet n'est pas aussi simple que ça. Bon, déjà le premier avis là, c'est un avis qui ne passe pas. Hein? Premier avis, c'est-à-dire ceux qui ont dit que le prophète, il a reçu la révélation, on ne lui a pas demandé de transmettre, la mio marbitablir, et le messager, on lui a demandé de transmettre, et ça là, les sabissahir. On entend beaucoup de gens apporter ça, c'est l'avis de certains savants, mais ce n'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Pour plusieurs raisons. Déjà, on a un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As. Il dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qu'il إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. حديث صحيح مسلم. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dit, il n'y a eu aucun prophète qui est passé avant moi, sans que ça ne soit une obligation pour lui d'indiquer sa communauté ou de montrer à sa communauté le bien qu'il connaît d'eux, et de mettre en garde sa communauté contre le mal qu'il connaît d'eux. Donc, chaque prophète, il n'y a pas un prophète qui est venu, qui est passé, sans qu'il n'ordonne à sa communauté le bien, et qu'il n'interdit à sa communauté le mal. Ça veut dire que le prophète il doit transmettre. Puisque le prophète Mohammed, ça me dit ici, que sans que ça ne soit une obligation pour lui de transmettre. Donc, c'est une obligation pour lui de transmettre. Donc, dire ici que le prophète, lui, on ne l'a pas demandé de transmettre, mais c'est le messager qu'on a demandé de transmettre, ça, là, c'est clair que ça ne passe pas. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a fait le ta'liq par rapport à ce hadith, il dit, dans ce hadith, nous avons une preuve qui montre que même le prophète, on lui a demandé de transmettre. Okay? Donc, l'avis qui dit que le prophète, on ne lui a pas demandé de transmettre, le messager, c'est-à-dire le prophète, l'a mis au marbre de tablir, et le messager, on lui a demandé de transmettre, c'est un avis qui ne passe pas. De deux, nous-mêmes, c'est-à-dire nous, on nous a demandé de transmettre l'islam. Le prophète a dit, balliru anni walau aya. Ça, c'est nous. C'est-à-dire même nous, on doit transmettre le message de l'islam. Alors si le prophète Mohammed, ça me dit, transmettez-le-moi ne fût-ce qu'un verset. Le prophète demande de transmettre, ça c'est nous ne sommes pas des prophètes. Que dire d'un prophète? Est-ce que vous voyez un peu? Que dire d'un prophète? A fortiori. Donc, l'avis qui dit que le prophète, on ne lui a pas demandé de transmettre, le messager, on lui a demandé de transmettre, les frères, ça c'est un avis qui ne passe pas. Okay? Deuxièmement, l'avis aussi de ceux qui ont dit, le messager, il vient avec une nouvelle législation, un nouveau livre. Par contre, le prophète, lui, ne vient pas avec une nouvelle législation. Bon, ça aussi, le cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a débattu ça. Hein, il a débattu ça et il a prouvé que cet avis-là n'était pas très solide, même si on écoute ça beaucoup. Jade, parce que le cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah s'appuie même sur un verset. Il y a un verset qui est venu dans la sourate 40, au verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Joseph, c'est-à-dire Youssouf, vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous a apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites, alors Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Est-ce que vous voyez? Donc Youssouf, c'était un messager. Mais Youssouf, il est venu avec quelle législation? Est-ce que vous voyez? Donc, venez dire que le messager, c'est celui-là qui vient avec une nouvelle législation, et le prophète, lui, vient continuer la législation qu'il a déjà trouvée. Ça, là aussi, c'est un avis fihi nazar. Donc, la masse à la vraiment, elle est compliquée. C'est un grand débat entre les savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons révélé. Donc c'est ce verset plus que clair que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé des femmes comme messagers. Contrairement à ce que Ibn Hazm a eu à dire, hein, que Maryam, Ibn Hazm et Qurtubi, ils sont allés à dire que Maryam était prophète. Mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est une parole qui est quoi? Qui est complètement bâtil
Et ça contredit, c'est contredit par quoi? Par les nusus. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Nous n'avons envoyé des gens avant toi. Nous n'avons pas envoyé. Nous n'avons envoyé que des hommes avant toi. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que les prophètes, les gens, les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, ou bien les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, c'était des hommes, il n'y avait pas des femmes dedans. Okay? Donc venez dire ici que Mariam, elle était prophète. Hein? Ça là, ça ne passe pas. Là, Dalila Ali. Okay? Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a envoyé que des messagers parmi les êtres humains. Jade. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé des messagers. Donc, le prophète Mohammed, lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais les prophètes qui sont passés avant le prophète, c'était juste à leur peuple. Jade. Le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. Jade. Même aux djinns. Donc, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé des prophètes que parmi les êtres humains. Jade. Il n'y a pas eu des prophètes parmi les djinns. Hein, c'est vrai qu'il y a une divergence des savants sur cette question. Est-ce que il y a eu des prophètes parmi les djinns? Oui ou non? Mais l'avis qui est juste, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé des prophètes que parmi les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Wallahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min al-nas. Que Allah subhanahu wa ta'ala choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est clair ici. Allah a choisi des messagers parmi les hommes et parmi les anges. Donc ça veut dire que parmi les djinns, il n'y a pas eu de messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans le Coran: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons envoyé Nuh et Ibrahim. Et nous avons fait de leur descendance, ou nous avons mis dans leur descendance la prophétie et le livre. Nous avons mis dans leur descendance la prophétie et le livre. Donc ça veut dire que la prophétie, c'est dans la descendance de qui? Des êtres humains. D'Ibrahim et de Nour. Donc c'est plus que clair que les djinns, il n'y a pas eu de messagers parmi les djinns. C'est-à-dire en tant que, c'est-à-dire messager qui reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je vous ai dit, il y a une divergence. Il y a des savants qui estiment que parmi les djinns aussi, il y a eu des messagers. Parmi les dalils qu'ils avancent, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ma'ashar al-djinn, alam ya'tikum rusulan minkum yatluna alaykum ayati wa yunzirakum. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Oh, vous les djinns, nos messagers ne vous êtes certes pas venus, hein, vous lisant ainsi nos versets et vous avertissant et vous avez ils ne vous ont ne vont ne vous ont-ils pas averti? Est-ce que vous voyez? Donc ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh vous les djinns, nos messagers ne vous ont certes ne vous êtes pas ne vous ne vous êtes des messagers parmi vous, ne vous sont-ils pas venus, hein, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre du jour que voici? Et ils vont dire quoi? Si. Donc, ces savants l'ont dit, ici, là, dans le verset, on a dit: Ya ma'ashar al-djinn. Oh, vous les djinns, des messagers parmi vous, c'est là le dalil, des messagers parmi vous, ne vous sont-ils pas venus? Hein? Des messagers parmi vous, ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur? Jade. Donc, ils ont dit, ça prouve, ils ont dit, ça prouve qu'il y avait des messagers parmi les djinns. Mais ça, c'est pas juste. Et les savants qui ont dit qu'il n'y avait pas des messagers parmi les djinns, ils ont répondu à ce verset en disant qu'ici, il ne s'agit pas de messagers, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit la révélation d'Allah. Non. Messager, c'est-à-dire quelqu'un qu'on envoie. Hein? Quelqu'un qu'on envoie. Un exemple, si tu as envoyé un de tes frères chez ton papa ou bien ta maman, il est un messager pour toi. Messager pourquoi? Parce qu'il va transmettre ta parole. Donc ils ont dit ici, messager ne veut pas dire messager, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le wahi, qu'ils ont reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme c'est venu dans le djihad. Hein, je crois qu'on a vu ça dans le chapitre du djihad, que le prophète Mohammed, ça m'a dit, si vous n'étiez pas des messagers, n'est-ce pas, hein, je vous aurais quoi? Je vous aurais tué lorsque
On avait même parlé de ça, qu'il n'est pas permis dans le djihad de tuer un des messagers des Koufa. C'est-à-dire, si les Koufa envoient un messager, c'est pour venir donner une nouvelle, on n'a pas le droit d'attraper ce messager et puis de le tuer. Alors, le prophète a parlé de messager. Hein, messager, ça veut dire quoi? Qu'il est prophète, c'est-à-dire qu'il a reçu la révélation d'Allah? Non. Jade. Donc, ici, on dit, il n'y a pas eu de messager parmi les djinns. Jade. Donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager envoyé à l'humanité tout entière. Et je crois qu'on a détaillé ça déjà dans notre livre de, quand on a fait le charh de Nawaqid al-Islam. Jade. Alors, le cheikh commence, il dit, Amma ba'du, fahaza i'tiqad firqati najiya. المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. Il dit, ça c'est la croyance, l'i'tiqad. Vous savez, les savants, ont parlé du terme al-aqida et l'i'tiqad. Certains savants disent qu'en réalité, le mot qu'on doit utiliser c'est al-i'tiqad. C'est ce qui a été utilisé par les salafs. Et non, al-aqida. Mais, à la koulihal, on dit la mouchaha filistilah. J'ai dit tant que le maqsoud ici, il est compris, hein, le sens est compris et que ça ne contredit en rien la législation. J'ai dit. Donc le cheikh ici dit Fahaza i'tiqad firqati najiya al-mansoura ila qiyam al-sa'a. Il dit ça, c'est la croyance du groupe sauvé jusqu'au jour du jugement dernier. Les gens de la sunna et du consensus. Donc, le cheikh ici va nous parler de quoi? De la croyance des gens, hein, du groupe sauvé. C'est qui le groupe sauvé? Les gens de la sunna et du consensus. J'ai le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, hadith authentique, « La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansouratan, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Et ils seront secourus. Et ne pourra leur nuire, n'est-ce pas? Et personne ne pourra leur nuire jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala advienne. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc, il y a toujours un groupe de la communauté qui sera toujours sur la vérité. Raison pour laquelle on dit quoi? Que le ijma' c'est un dalil. Contrairement à ceux qui ont rejeté, qui ont dit que le ijma' c'est pas un dalil. Ça, c'est parmi les dalils qui montrent que le ijma' c'est un dalil. Hein, ce hadith qui est dans Bukhari Muslim. Parce que ce hadith dit qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ça veut dire que si toute la communauté s'est réunie sur quelque chose, ça ne peut pas être faux. Pourquoi ça ne peut pas être faux? Parce que le prophète Mohammed sallam dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Et même Al-Bukhari a dit que c'est qui ici? Al-Ulama. Ce sont les savants. Ce sont les savants. Alors, ça c'est plus que clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, sahih l'irayrihi, authentique par autre que lui, rapporté par Tirmidhi, Abi Daoud, Ibn Majah, le hadith rapporté par Abu Huraira, le hadith rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan, le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As, le hadith rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas, le hadith rapporté par Auf ibn Malik, Anas ibn Malik, Amr ibn Auf, le hadith rapporté par Abi Umama, le hadith rapporté par Ibn Mas'ud. Tous ces compagnons-là, ils ont rapporté ce hadith-là qu'on va citer tout à l'heure. Le prophète Mohammed, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Le prophète Mohammed nous a dit, ça c'est connu, que les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens 72. Et le prophète dit, cette communauté va se diviser en 73 groupes. Donc 73 groupes. Il dit, tous vont aller en enfer, sauf un seul groupe. Jade. Qui sont-ils? On a posé la question au prophète Mohammed, qui sont-ils? Le prophète a dit, dans des versions, le prophète a dit, Al-Jama'a, le groupe. Dans d'autres versions, comme ici, le prophète a dit, ceux-là qui seront sur ceux que moi et mes compagnons, n'est-ce pas, sont ceux. C'est-à-dire, ceux-là qui vont suivre ceux que moi et mes compagnons sommes dessus. Jade. Ceux qui vont suivre ceux à quoi
N'est-ce pas? Moi et mes compagnons appelons. Donc, ce hadith, c'est un hadith qui est authentique. Sauf que, la partie qui dit, on a posé la question au prophète Mohammed, qui est le groupe qui va être sauvé là? Le prophète a dit Al-Jama'a, ça c'est authentique. Le Jama'a, c'est le groupe. Mais la partie qui dit, ceux-là qui vont suivre ce que mes compagnons, n'est-ce pas, suivent, c'est-à-dire ce que moi et mes compagnons suivent, cette partie-là, dans le hadith, c'est une partie à problème. C'est une partie normalement qui a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Sauf que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a rendu ça Hassan à cause du ma'na. Lui, il a regardé le ma'na. Il a dit le sens qui est voulu lorsque le prophète a dit Al-Jama'a. Parce que quand on veut faire, quand on veut renforcer deux versions, il faut qu'il y ait quoi? Il faut que les deux versions, c'est-à-dire ce sont les mêmes, soit ce sont les mêmes termes, ou soit c'est le même sens qui est utilisé. Mais ici, là, on a dit Al-Jama'a là-bas, et ici, on n'a pas dit Al-Jama'a. Donc, c'est déjà, les termes ne sont pas les mêmes. Pourquoi le Cheikh Al-Albani a renforcé? Il dit c'est à cause du ma'na. Le Cheikh Al-Albani, il a regardé le ma'na. Il dit le ma'na qui est voulu par la Jama'a, c'est le même ma'na qui est voulu. C'est-à-dire ceux qui vont suivre le prophète et ses compagnons, ce sont ceux-là qui seront quoi? Sauvés. Donc, le Cheikh Al-Albani, il a authentifié ça à cause de quoi? À cause du sens qui ressort de cette parole. Jade, ce hadith, c'est un hadith authentique que la communauté va se diviser en 73 groupes. Tous vont aller en enfer, sauf un seul groupe. Et ce hadith, c'est la bête noire des gens des sectes. Hein? Les gens des sectes n'aiment pas écouter ce hadith. C'est la raison pour laquelle vous allez voir tous, ils disent le hadith là est da'if. C'est la bête noire là, le hadith là. Vous allez écouter les bajrafis, les islam, tout ce monde là. Ils disent quoi? Hadith sont da'if. Une fois j'écoutais Bajrafil, là, il parlait de ce hadith, il dit le hadith en lui-même est sa propre destruction. Après, il vient, il dit, vous avez compté les groupes là? Vous avez compté les groupes qui sont dans l'islam? Il y a 73 groupes seulement, 73 sectes. J'ai tenté d'écouter, j'étais obligé de rire. Parce qu'il me faisait rire. Ça, c'est le djal. Ça, c'est un hadith qui est authentique. Les savants ont authentifié ce hadith. Parmi les savants qui ont authentifié ça, l'imam Tirmidhi, l'imam Zahabi, Al-Hakim, Ibn Hibban, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Cheikh Al-Albani, le Cheikh Muqbil, hein, et plusieurs savants. C'est un hadith qui est authentique, sahih. Jade, quand on regroupe toutes les chaînes de transmission, c'est vrai que les chaînes de transmission de ces hadiths-là ont des problèmes. Mais quand on regroupe toutes les chaînes de transmission, le hadith devient Hassan Irihi. C'est un hadith qui devient authentique. D'autres savants, tu vois, vous allez voir d'autres savants, même vous dit sahih les rehrihi. Jade, authentique par autre que lui. Donc c'est un hadith authentique. Quand on regarde les qawaïd des savants des hadiths, on ne peut pas venir rejeter ce hadith en disant qu'il est faible, on ne travaille pas avec ça. C'est une parole qui est nulle, quel que soit celui qui va dire ça. Dit que le hadith là, est complètement à rejeter, d'autres sont même allés loin. Vous allez écouter parmi les gens des sectes qui ont la haine. Parce que je vous ai dit que ce hadith là, c'est en fait c'est leur bête noire. Ils vont te dire le hadith là même, c'est un faux hadith. Et ça ne doit pas nous étonner. Parce que ce sont des gens qui rejettent même des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Donc s'ils arrivent à rejeter des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim et dire même que c'est des hadiths faux, c'est pas des hadiths qui sont dans Tirmidhi et Abi Daoud qui ne vont pas rejeter. Donc, ce hadith, c'est un hadith qui est authentique. Le hadith nous dit clairement que la communauté va se diviser en 73 sectes, ou 73 groupes, pardon. Et que tous vont aller en enfer, sauf un groupe. Qui est ce groupe-là? Al-Jama'a, le groupe. C'est les gens de la Sunna. Jade. Donc ceux qui vont suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui vont suivre la voie des salafs, des compagnons, ce sont eux qui seront sauvés. Jade. Et ça là même, c'est attesté par le ma'na même du Coran et de la Sunna. Comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, que toute ma communauté va rentrer au paradis sauf celui qui va refuser. On a demandé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui va refuser? Le prophète a dit, celui qui va m'obéir va rentrer au paradis, celui qui va me désobéir, il a refusé. Donc, c'est clair ici que quand on regarde les qawaïd même du din, que le groupe qui sera sauvé, c'est quel groupe? C'est ceux-là qui vont suivre le prophète Mohammed et la voix de ses compagnons. Donc, c'est plus que clair. Celui qui va suivre le prophète, n'est-ce pas? Et les salafs, c'est-à-dire là, et les compagnons du prophète Mohammed par rapport aux femmes, etc.,
c'est ceux-là qui seront sauvés. Quant à ceux qui vont refuser, c'est clair qu'ils vont faire partie des sectes. Et ici, là, quand on a dit tous vont aller en enfer, sauf un groupe, tous vont aller en enfer ne veut pas dire qu'ils vont aller éternellement en enfer. Tous vont aller en enfer ne veut pas dire qu'ils vont aller éternellement en enfer. Non. Tout dépend de quoi? Tout dépend de cette secte, la croyance que cette secte-là a. Parce que c'est pas toute secte qui est nécessairement devenue quoi? C'est pas toute secte qui est mécréante. Il y a des sectes n'est-ce pas, qui sortent de l'islam complètement, et il y a d'autres qui sont toujours dans l'islam mais qui sont égarés. Donc ici là, quand on a dit tous vont aller en enfer, ça ne veut pas dire en enfer ne veut pas dire qu'ils vont aller éternellement là-bas. Non. Ça, il faut bien comprendre ici. Et c'est souvent ça parfois qui embête certaines personnes des sectes. Parce que quand ils écoutent ce hadith, ils disent quoi? Tous vont aller en enfer sauf seulement les gens de la sunna. Et puis, subhanallah, la façon dont ces gens-là détestent ce hadith-là, vous ne pouvez pas imaginer. Ils n'aiment pas écouter ce hadith. Et ils veulent nier. Et vous allez voir, comme disait le Bajorafi, il dit, vous avez compté ces sectes-là. Vous avez compté, ça fait 73. Il dit, ça c'est faux, ça ne fait pas 73. Donc, ce qui prouve que le hadith est faux. Il y a plus de 73 ou il y a moins de... Tout ça, c'est qawlun batil. Pourquoi c'est une parole qui est batil? On ne t'a pas demandé de compter ça. On t'a demandé de compter ça. Regardez les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète Mohammed, lorsqu'ils ont écouté ce hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont demandé au messager d'Allah, cite-nous ces sectes-là? Non. Et ils ont demandé quel est le groupe sauvé. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir quel est le groupe sauvé. Regardez les compagnons. Les compagnons n'ont pas cherché à savoir ceux qui sont égarés. Là, on a dit 73 groupes. Tous sont là en enfer sauf un seul groupe. Et ils ont cherché à savoir quel est le groupe qui va rentrer au paradis. Pourquoi? Pour que si ils arrivent à connaître le groupe qui va rentrer au paradis, ils doivent suivre ce groupe-là. Pour faire partie de ceux-là qui vont rentrer aussi haut au paradis. Ceux qui sont égarés, on t'a pas demandé de chercher ça. Mais aujourd'hui, les musulmans, c'est le contraire. Au lieu de chercher le groupe qui est sauvé, eux, ils cherchent les groupes qui sont égarés. Vous allez voir des gens qui vont parfois passer, ils sont en train d'écrire telle secte. On commence à compter. Deuxième, troisième, quatrième. Bon, ça fait 66 sectes. On cherche. Qui t'a demandé de faire tout ça? Ça, c'est le takalouf. Tout ce qu'on te demande, c'est de savoir, de croire que, comme le prophète a dit, la communauté va se diviser en 73 sectes. Et donc, il y a des sectes qui sont là, puisque le prophète a informé ça. Il y a des sectes qui sont là. Et qu'il y a un seul groupe qui va entrer au paradis. Quel est ce groupe-là? Ceux-là qui vont suivre. Et donc toi tu dois t'efforcer d'être parmi ce groupe là. Donc suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est tout ce qu'on t'a demandé de faire. Maintenant de commencer à compter, c'est tel secte, ça fait 66, ça fait 65, ou bien ça fait 68, ça arrive 70. Qui t'a demandé de faire? C'est ce que les compagnons ont fait. Et venir même, c'est-à-dire le hadith là, il ne contredit en rien le Coran. Parce que pourquoi ils veulent rejeter le hadith là en fait? C'est pour dire quoi? Ces gens des sectes là, quand ils rejettent ce hadith, c'est pour nous dire en fait que nous sommes tous, on doit être tous ensemble. Hein? Le chiite, hein? Celui qui est chi'i, celui qui est maturidiya, ash'ari, hein? Les rawafi, tout ce monde là, les jama'at, tout tablir, les ikhwan muslimi, tout ce monde là, on doit tous être ensemble. On ne doit pas diviser les gens. Donc, il voit que le hadith là amène la division parce qu'on a dit qu'il n'y a qu'un seul qui va entrer au paradis. Pourquoi? Donc, mais ce que vous faites là est complètement batil. Parce que refuser même de. C'est-à-dire, la communauté, il y a des divisions dans la communauté. Ça, il n'y a qu'un aveugle pour dire qu'il n'y a pas de division. Il y a des sectes. Il y a des sectes. Et il n'y a qu'un aveugle pour venir dire qu'il n'y a pas de sectes. Et les communautés qui sont passées, les associateurs, les juifs, les chrétiens, ils se sont divisés en sectes aussi. Ça aussi, c'est même le waq atteste cela. Donc le hadith ne contredit en rien, ni la réalité, ni même le Coran. Alors, subhanahu wa ta'ala dit quoi? Sourate 30, au verset 31-32. « Wa la takounu minal mushrikina minal lezina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihoun. » Allah est plus que clair. Il ne soit pas parmi les associateurs, parmi ceux-là qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes. Chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Ils sont devenus des sectes. Donc, le Coran confirme qu'il y a des sectes. Alors, toi, tu viens, vous voulez rejeter le hadith là pour faire comprendre aux gens que nous sommes tous ensemble, c'est la sunna. Qawlun batil, ça ne peut pas aller. Il y a des sectes et on ne peut pas nier cela.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous interdit d'être comme ceux-là qui se sont divisés en sectes, c'est parce qu'il sait qu'on peut le faire. Sinon, pourquoi on nous interdit ça? Allah dit encore, suivez, Sourate 6, verset 153. Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili." Fatafarraqu bikum 'an sabili. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est sourate 6 verset 153. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Donc Allah nous prouve ici qu'il y a des sentiers qui écartent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment avec ça on va venir, c'est-à-dire rejeter le hadith, comme si le hadith vient contredire même le Coran. Le hadith confirme qu'il y a des sectes. Et le Coran confirme cela. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit ne suivez pas donc les sentiers qui vous écartent de sa voie. Donc il y a des sentiers qui écartent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui écartent de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez bien comment c'est, les gens ont des croyances différentes. Les Asha'ira, ils n'ont pas la même croyance que les gens de la Sunna. Les Shia, ils n'ont pas la même croyance que les gens de la Sunna, que les Asha'ira. Les Ikhwan Muslimin, c'est en contradiction. Et vous dites que tout ça c'est la vérité? Ça ne peut pas être la vérité. Il y a bel et bien un groupe qui est dans la vérité, le reste ils sont égarés. Tout ça ne peut pas être dans la vérité. Quand j'écoutais ce Mohamed Dado là, hein, qui venait avec des conceptions soi-disant que les Asha'ira, c'est les gens de la Sunna, etc. Kalamun batil wa farikh wa saqit. Et c'est comme ça qu'on est en train d'égarer les gens. Et ils sont en train de rendre des hadiths qui sont authentiques et clairs, faibles, tout ça parce qu'on veut soutenir qu'on doit être ensemble, machin. Non, on ne peut pas être ensemble dans le faux. On doit être ensemble dans le haq. Donc Allah nous montre ici qu'il y a des sentiers qui écartent de sa voie. Donc, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des sectes. Il y a des sectes, ça existe. On ne peut pas dire aux gens, non, il faut tous qu'on soit ensemble. On va être ensemble dans le faux. On doit être ensemble dans le haq. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, sourate 6, verset 159. « Inna allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. » Allah dit, « Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, tu n'es en rien de leur. » Donc c'est clair qu'il y a des gens qui émiettent la religion, il y a des gens qui font des sectes. Comment avec ça on veut venir dire non, le hadith là qui a dit que la communauté va se diviser en 73 sectes, on dit non, c'est un hadith de Haïf. Tout ça parce qu'on ne veut pas entendre qu'il y a des sectes. Non, il y a des sectes. Tu ne peux rien faire, mon frère, il y a des sectes. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, sourate Baqara, au verset 137. Soit Baqara, soit 2, verset 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors s'ils croient à ceux-là même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. C'est clair. Et ici, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed, c'est dont il est question d'abord. Parce que le verset, quand le verset est descendu, c'est d'abord au temps des compagnons du prophète Mohammed. Donc s'ils croient à ceux-là même à quoi vous croyez, ils seront sept sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront sept dans le schisme. C'est clair. Donc les compagnons du prophète se sont tous mis unanimes sur un point. Toi tu viens contredire ça, c'est clair, tu es en train de t'égarer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que ceux qui ne vont pas suivre ceux-là, ils seront quoi? Ils seront égarés. Donc il y a des sectes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa man yushaqqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira." Et quiconque fait scission du messager d'Allah après que la vérité, après que le droit chemin, n'est-ce pas, lui est parvenu, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous allons lui coller ce qui s'est collé et nous allons le mettre en enfer. C'est clair. Alors, ce matin, qui fait scission du messager d'Allah et qui suit un autre chemin. Donc, c'est que
Il y a des gens qui peuvent suivre un autre chemin. Donc, il y a des sectes dans la communauté. Ça, c'est pas... C'est-à-dire, c'est quelque chose de... On n'a même pas besoin de faire un iqash, on n'a même pas fait un débat sur ça. Qu'il y a des sectes. Et ces sectes-là sont en contradiction entre elles. Et on ne peut pas dire que tout ça, c'est la vérité. On ne peut pas dire que tout ça, c'est la vérité parce que c'est en contradiction. Parce que c'est quoi? C'est en contradiction, Jade. Donc ici, là, nous disons qu'il y a des sectes et que toutes ces sectes-là, comme le prophète a dit, vont tous aller en enfer, sauf le groupe sauvé. Et quand on dit « vont aller en enfer », ça ne veut pas dire qu'ils vont aller éternellement en enfer. Ça s'entend de manière générale. Parmi les sectes, il y en a qui sont des mécréants. Jade, qui ont des conceptions du kufr, hein, comme les Jahmiyyah. Ça, c'est, hein, c'est des koufars. Les savants, ils ont rendu quoi? Ils ont dit, ils ont fait le takfir des Jahmiyyah. Ils ont fait le takfir de Jahmi ibn Safwan. Jade. Parce qu'ils ont des conceptions du kufr. Des conceptions graves dans la foi. Ça, c'est de, je dis bien ça, c'est de manière générale. Jade. Alors, il y en a parmi, c'est-à-dire, il y a parmi les sectes aussi qui sont, c'est-à-dire, c'est pas des. Des mécréants. Mais ils sont quoi? Ils sont égarés. Donc ceux-là, ils sont quoi? Comme les gens de la Sunna disent, Tahta Mashiyatillah. Jade, si Allah veut, il va les châtier. Si Allah veut, il va leur pardonner. Tant qu'ils n'ont pas fait quoi? Du kufr, donc de la grande mécréance qui sont sortis de l'islam. Jade, mais la sentence de manière générale, c'est que toutes ces sectes-là, ils vont aller où? En enfer. Il n'y a qu'un seul groupe qui va être sauvé. C'est les gens de la Sunna. Donc, ceux qui ont décidé de suivre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, ce hadith, c'est un hadith authentique. C'est parce que le temps, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de tirer en long et en large. Sinon, je devais vous importer toutes les chaînes de transmission de ce hadith et je devais vous faire une réfutation à ceux-là qui ont rendu le hadith la faible, parmi les gens des sectes, etc. Pour vous prouver clairement que c'est un hadith qui est authentique. Mais, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps parce que le hadith, il a plusieurs chaînes de transmission. Mais ce hadith, ici, il a été authentifié par des grands savants, des hadiths. Et cela vous suffit. L'imam Zahabi, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Sheikh Al-Albani, le Sheikh Muqbil, plusieurs savants des hadiths, des grands savants des hadiths, ils ont authentifié ce hadith. Alors, le Sheikh a dit donc, c'est l'i'tiqad de Ta'ifa al-Mansour. Ta'ifa al-Mansour. C'est-à-dire, c'est la croyance, le cheikh va détailler, c'est la croyance du groupe sauvé. Le groupe sauvé, c'est les gens de la Sunna. Donc, si tu veux faire partie du groupe sauvé, il faut suivre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ensuite, le cheikh dit, donc, il dit, que ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Maintenant, il explique c'est quoi. Il dit wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'd al-maut wal iman bil qadri khayrihi wa sharrihi. Quelle est cette croyance là? Il dit c'est la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers et à la résurrection après la mort et la croyance au destin bon ou mauvais. Ça, c'est la croyance aux six piliers. Ça, c'est les six piliers de la foi. Jade. Il dit, wa huwa iman al-imanu billahi. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, les savants disent que ça comporte quatre points. Croire à son existence. Jade. Deuxièmement, croire au tawhid rububiya. Troisièmement, croire au tawhid uluhiya. Et quatrièmement, croire au tawhid asma wa sifat. C'est-à-dire, croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, n'est-ce pas, toutes les créatures, que c'est lui le maître, c'est lui le roi, et c'est lui qui administre toutes choses. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui pourvoit nos besoins. Croire qu'il est le seul qu'on doit adorer. Il est le seul qu'on doit adorer. Et croire qu'il a des noms et des attributs. Que lui-même il s'est donné. Comme on a déjà expliqué, sans faire le tahrif, le ta'ati, le tamthil, le takif. Ça, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, il y a des tafsilat, hein, le tawhid rububiyya, il y a des tafsilat à l'intérieur. Hein, c'est pourquoi
quand on dit souvent que les gens connaissent le tawhid de Rububiya. Ça, c'est de manière âme. Hein. Sinon, en réalité, il y a des tafsilat, il y a des gens qui ignorent certaines choses, n'est-ce pas, qui rentrent dans le tawhid à Rububiya. Hein. Quand vous entendez certaines personnes dire, ou bien lorsque les gens disent le tawhid de Rububiya, tout le monde connaît ça. Il veut parler de quoi? C'est-à-dire, il veut parler de l'aspect général, c'est-à-dire quoi? Que les gens savent que c'est Allah qui les a créés, que c'est Allah qui pourvoit aux besoins des gens, c'est Allah qui est le maître, c'est lui qui administre toutes choses. Les gens savent ça, c'est de manière générale. Mais sinon, il y a des tafsilat là-bas dans le tawhid de Rububiya que certaines personnes font quoi? Ils ignorent. Ou bien d'autres personnes, ils tombent dans le shirk même. Est-ce que vous voyez? Ou il peut connaître, mais il ne comprend pas ça. Parce que lorsque tu dis, lorsque dans le tawhid de Rububiya, parmi les principes dans le tawhid de Rububiya, c'est que tu dois croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala est quoi? C'est celui qui pourvoit aux besoins. Mais lorsque tu vas maintenant chez un charlatan, chez un ganga, pour lui demander de te donner un gris-gris pour t'accorder la subsistance ou bien pour te faire venir les clients, ça veut dire qu'il y a un ox. Hein? Il y a un ox ici, il y a un défaut ici, il y a une défaillance ici dans ton tawhid al-Rububiya aussi. Jay, au village, hein, dans nos villages, on voit des gens, ils ont le grand-père, on va lui donner la machette, il va planter la machette au sol, la pluie va tomber. Ça, c'est quoi? Un ox dans le tawhid al-Rububiya. Jay, il dit que quand on va prendre la machette, on va planter sur le sol, la pluie va tomber, bien ça va arrêter la pluie. Hein, vous connaissez, ça c'est connu dans nos villages. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est des noxons dans quoi? Dans le tawhid al-Rububiya. Jay, alors donc on dit, ça c'est de manière générale. Quand on dit les gens connaissent le tawhid al-Rububiya, ça c'est de manière générale. Mais sinon, quand on rentre dans les tafsilat, beaucoup de gens tombent dans le shirk, dans le tawhid al-Rububiya et. On ne peut pas dire ici que quoi que tout ce monde-là, il maîtrise le tawhid Rububiya. Ça, c'est de manière générale. Mais si on a des tafsilat, il y a des gens qui ignorent certaines choses dans le tawhid Rububiya. Donc, ça, c'est de manière générale. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, croire à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire au tawhid Rububiya, donc l'unicité de la seigneurie, croire à l'unicité de la divinité, c'est-à-dire que c'est Allah seul qu'on doit adorer et croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est al-iman billahi. Ensuite il dit wa malaikatihi. Nous devons croire aux anges. Nous devons croire que les anges, ce sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. C'est des anges, c'est des créatures qui existent. Hein? Donc nous devons croire à ces créatures-là, c'est-à-dire qu'ils existent. Hein? Celui qui va rejeter ça, qui va nier l'existence des anges, qui dit que non, les anges n'existent pas, c'est faux, c'est un kafirun billahi azawajal. Ben, ça fait partie de quoi? Ça fait partie des piliers de la foi. Donc, les anges sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne doivent pas être adorés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est des créatures. Ils ont été créés de lumière, comme c'est mis dans le Sahih Muslim. Khuliqat al-mala'ika min nur. Que les mala'ika ont été créés de lumière. Nous devons croire. Que ces anges-là existent, n'est-ce pas? Ces anges-là, ils ont des ailes. Hein? Ils ont des ailes. Et nous devons croire aux anges dont on nous a cité les noms. Tels que Djibril. Djibril alayhi salam. Hein? Mikaïl. Hein? Israfil. Et non seulement nous devons croire à ces anges-là dont on nous a cité les noms, mais nous devons aussi croire au travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié. C'est-à-dire, on doit savoir que Jibril alayhi salam, il s'occupe de quoi? Du wahid, de la révélation. Mikaël s'occupe de quoi? De la pluie. J'ai comme c'est venu dans un hadith, dans le Mustan Imam Ahmed. Donc, il y a des anges qui sont là pour écrire les actions des êtres humains. Donc, il y a des anges qui sont là pour écrire les noms des gens quand on vient au Jumu'ah, le vendredi. Donc, ils ont plusieurs actions qu'ils font. Donc, nous devons croire à tout cela. Nous avons Mikaïl, qui fait partie des anges. Nous avons Israfil, qui fait partie des anges aussi, dont on nous a cité. Nous avons Malik, hein, l'ange qui s'occupe de l'enfer. Nous avons Munkar wa Nakir. C'est venu dans un hadith, rapporté par Tirmidhi, authentifié par le Cheikh Al-Albani. C'est un hadith authentique, contrairement à ce que certains ont dit que c'est daïf et comment les anges vont s'appeler Munkar wa Nakir, le nom n'est pas bien, etc. C'est un hadith qui est authentique. Bon, Harut et Marut, ça, c'est un khilaf. Je crois qu'on a détaillé cette question-là dans Nawaqi de l'Islam, dans les alternatifs de l'Islam, parce qu'on a parlé du verset de la sourate Baqara, là où on dit Wattaba'u
ma tatlu ala mulki Suleyman wa ma kafara Suleyman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra. Que ils suivent ce qu'on a, ce que les shayatin, les diables disent par rapport au règne de Suleyman. Mais Suleyman n'a pas mécru, mais ce sont les diables qui ont mécru, ils enseignent aux gens la magie. Donc, on a parlé de ce verset, on a apporté un peu les paroles descendant par rapport au tafsir de ce verset. Et on a vu qu'il y avait un khilaf. Est-ce que Harut et Marut ce sont des anges ou bien ce ne sont pas des anges? C'est un khilaf. Donc, les anges dont on nous a cité les noms, nous devons croire à ces anges-là. Et les anges, comme dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dit que les anges ne font pas quoi? Ils ne se reproduisent pas. Ils ne se reproduisent pas. Maintenant, les savants ont débattu sur une question. Est-ce que Shaitan faisait partie des anges ou bien il ne faisait pas partie des anges? C'est un débat entre les savants. Mais l'avis qui est juste, c'est que Shaitan ne faisait pas partie des anges. Shaitan ne faisait pas partie des anges. Shaitan fait partie des djinns. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kana min al-djinn » dans le Coran. Il faisait partie des djinns, c'est plus que clair. Et puis, ce qui prouve encore ça, c'est que les anges ont été créés de lumière. Les djinns ont été créés de feu. C'est venu dans le Sahih, le hadith d'Aïcha, le Sahih muslim. On a créé les malaïka de lumière, les anges de lumière. On a créé les djinns à travers, avec le feu. Et l'être humain, on l'a créé avec quoi? La terre. Donc ici, là, ce qui nous prouve que Iblis ne faisait pas partie des malaïka, parce que les malaïka, les anges, ils ont été créés de lumière. Et les djinns ont été créés de quoi? Les djinns ont été créés de feu. Et Iblis lui-même a confirmé. Shaitan, dans la sourate Sod, au verset 76, il a dit quoi? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sourate Sod, au verset 76. Que Shaitan a dit, je suis meilleur que lui. C'est-à-dire, lorsque Shaitan a refusé de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Et je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Tu m'as créé de feu. Donc ça prouve clairement ici qu'il ne faisait pas partie des anges. Parce que les anges ont été créés de, comme le prophète a dit, donc les anges, alifoualam. Donc les anges ont été créés de lumière, de lumière, et les djinns de feu. Et Shaitan confirme qu'il a été créé de feu. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas partie des anges. Jade. Et de sur quoi Shaitan a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah dit dans le Coran, soit Tahrim au verset 6. Soit l'interdiction au verset 6. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. Jade. Ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il leur ordonne de faire. Ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire. Donc les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Shaitan a désobéi à Allah. Allah lui a demandé de se prosterner, il a refusé. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un ange. Parce que les anges ne désobéissent pas à Allah. Allah dit, la ya'asuna Allah, ils ne désobéissent pas à Allah. Par contre, lui, Iblis, il a fait quoi? Il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la vie qui est juste, c'est quoi? C'est que Iblis ne faisait pas partie des anges, il faisait partie des djinns. Contrairement à ce que certains savants disent. Certains savants de la Sunna, ils ont dit que Iblis faisait partie des malaïka, mais ça, ce n'est pas un avis qui est juste. Et les anges, comme je vous ai dit, ce sont des créatures comme toute autre créature, qui vont aussi mourir. Ils vont mourir comme les autres créatures, contrairement à ce qu'Ibn Hazm a eu à dire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Imran, verset 185, Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Et elle a dit Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sourate Ar-Rahman, verset 26 à 27. Que tout doit périr. Il restera le visage de ton Seigneur, plein de majesté. Donc, tout doit périr. Donc, même les anges aussi vont. Les anges vont mourir. Ibn Hazm, il dit Wala nas, wala ijma' ala anna al-mala'ikata tamut. Il dit ça dans son livre Al-Fisol, Fil-Milal, Wal-Ahwa et Wal-Nihal. Il dit, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de texte, ni consensus que les anges vont mourir. Et il s'est aussi argumenté d'un hadith qui est venu dans le Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wal-Jinn wal-Insu yamutun. On voit des gens parfois qui posent des questions. Est-ce que les djinns meurent? Est-ce que les djinns meurent? Le prophète a été clair ici. Al-Jinn wal-Insu yamutun. Le prophète a dit, les djinns,
et les êtres humains meurent. J'ai parce que Allah subhanahu le prophète Mohammed s'est dit que il a dit Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas. Les hommes et les djinns meurent. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari. Jayd. Donc Ibn Hazm aussi s'appuyait sur ça pour dire quoi? On a dit les hommes et les djinns meurent. Donc on n'a pas cité les anges. Donc le mafhoum mukhalafa de ça c'est quoi? C'est-à-dire ce qui se comprend, le contraire de cette parole, c'est quoi? C'est que donc les anges ne meurent pas parce qu'ils n'ont pas été cités ici. On n'a pas dit les djinns, les hommes et les anges meurent. On a dit les djinns et les hommes meurent. On dit Haz al-Kalam laysa bi sahih al-battata. J'ai dit cette parole-là n'est pas juste, on ne peut pas prendre ça en considération. Pourquoi? Déjà, on a le dali qui est clair. Ça là, c'est ce qu'on appelle le mafhoum. Ibn Hazm ici, après quoi? Ici, ça c'est un mafhoum. Mafhoum, c'est-à-dire, c'est ce qui se comprend du texte. Lorsqu'on dit les hommes et les djinns meurent, c'est ce qui se comprend du texte. Mais est-ce que ce qui se comprend du texte, on doit faire précéder ça sur ce qui s'est dit clairement? On dit non. Les savants de Usul disent Iza ta'arad al-mafhoum al-mantouq, quddim al-mantouq ala al-mafhoum. Ça, c'est une qaïda. Jade, s'il y a une contradiction entre ce qui se comprend et ce qui se dit clairement, on fait précéder ce qui se dit clairement sur ce qui se comprend. Allah subhanahu wa ta'ala dit toute âme goûtera la mort. Ça, c'est dit clairement. Jade, et là-bas, on a ce qui se comprend. On a dit les hommes et les djinns vont mourir. Donc, on comprend que les malaïques ne vont pas mourir. Donc, ici, là, on dit quoi? On a le mantouq, on a ce qui se dit clairement, on a ce qui se comprend. On fait précéder ce qui se dit clairement sur ce qui se comprend. Donc ici, on dit les anges vont également mourir. Ils font partie des créatures comme les autres créatures. Bien évidemment, il y a beaucoup de massaïs qui tournent autour des anges. Hein. Ça, c'est de manière générale. J'ai la croyance aux anges. Il y a beaucoup de massaïs qui tournent autour de cela. J'ai et les anges... Comme on a dit, c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont et la capacité également. C'est-à-dire, ils peuvent prendre la forme humaine, n'est-ce pas? Et raison pour laquelle, vous allez voir que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, Jibril est venu, il a pris la forme humaine. Vous connaissez le hadith de Jibril, le hadith célèbre. Jade. Donc, l'ange peut prendre la forme humaine. Jade. Donc, ici, le cheikh a dit, la croyance en Allah aux anges, wa kutubihi, et aux livres. Nous devons croire aussi aux livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. De manière générale, nous croyons à cela. Donc, nous croyons au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, dont il nous a cité les noms, tels que le Torah, le Zabur, les Suhuf, hein, d'Ibrahim et Moussa, l'Injil, de Isa alayhi salam, l'Évangile. Nous devons croire en ces livres-là. Jay, nous devons croire en ces livres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit croire que ces livres-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jay, on doit croire que ces livres-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous savons très bien que les juifs et les chrétiens ont falsifié leurs livres. Jade. Et ici, quand on dit qu'on doit croire, parce qu'on a vu, il y a des musulmans qui s'égarent ici. Vous dites, mais on nous a dit qu'on doit, on a dit qu'on doit aussi croire aux chrétiens. Il va aller prendre des paroles qui sont dans les juifs, qui sont dans la Bible ou bien la Torah. Il va te dire, non, mais on a dit qu'on doit aussi croire à la Bible des chrétiens, on doit aussi croire à leurs livres. Ça, c'est dans le Coran, donc ils croient ça. Quelqu'un m'a dit une fois qu'une Marocaine lui a dit ça. Elle dit, mais on nous a aussi demandé de croire en leurs livres. Mais qu'est-ce que ça veut dire de croire en leurs livres? C'est là le problème. Les informations qui nous viennent des juifs et des chrétiens. Ça a trois situations. Premièrement, les informations là sont confirmées par le Coran et la Sunna. Ce qui est confirmé par le Coran et la Sunna, on confirme ça. Pas parce que c'est dans leurs livres, mais parce que c'est confirmé par le Coran et la Sunna. Deuxièmement, ce qu'on sait très bien que c'est faux, on dit aussi que c'est faux. Exemple, ils disent que Isa, c'est l'enfant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on dit clairement que c'est faux. Troisièmement, des informations qu'ils ont là-bas, dans leurs livres, on n'a pas une preuve, ni dans le Coran de la Sunna qui dit que c'est vrai, on n'a pas aussi une preuve qui dit que c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait ici? On ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. Jade, c'est pas comme beaucoup on dit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que on peut citer les paroles des si les gens du livre nous donnent une parole, falatu saddiqou, falatu kadzibouhum. Hein, falatu saddiqouhum, falatu kadzibouhum. C'est-à-dire, ne dites pas que c'est vrai, ne dites pas que c'est faux. Mais ça, ne dites pas que c'est vrai, ne dites pas que c'est faux, c'est à quel moment? C'est des informations, on n'a pas des preuves dans le Coran qui confirment que c'est vrai ou des preuves qui confirment que c'est faux. Mais là, on a des preuves qui confirment que c'est faux, on dit que c'est faux. Jade.
Donc, on doit croire à cela, c'est-à-dire croire de manière générale que ces livres-là viennent d'Allah, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé cela. Mais on sait très bien que dans leur livre-là, il y a eu quoi? Il y a eu le tahrif. Ils ont modifié, n'est-ce pas, des paroles. Et ça, c'est pas le Coran. C'est le Coran qui a confirmé qu'ils ont modifié. Donc, on n'a même pas besoin de débattre là-dessus. Un musulman ne doit même pas douter que les chrétiens ont modifié leur livre. C'est venu que c'est clairement dans le Coran. Soit Nisa, par exemple, au verset 46. Allah dit, « Minal lezina hadu yuharrifuna kalima an mawdi'ihi. » Allah dit, « Afayatma'ouna an yu'minu lakum wa kod kana fariqum minhum yasma'ouna kalama Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu wa hum ya'lamoun. » Soit Bakara, verset 75. Qu'ils font quoi? Le premier verset, Allah dit quoi? Qu'ils changent les paroles de leur endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il falsifie les paroles. Donc c'est plus que clair. Donc les juifs et les chrétiens, c'est clair qu'ils ont falsifié leur livre. Ça, il n'y a même pas de doute. Un musulman ne doit même pas douter de ça. Il fallait se confirmer par le Coran. Qu'ils ont falsifié leur livre. Mais sauf que les savants ont divergé sur un cas. Quand on a dit que les chrétiens et les juifs, ils ont falsifié ici. Comment est-ce qu'ils ont falsifié leur livre? Certains savants ont dit, ils ont falsifié, c'est juste les sens qu'ils ont falsifié, mais pas les termes. Parmi les savants qui ont eu cet avis, l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, hein, tome 9 à la page 160, dit quoi? Que c'est juste les sens qui ont été falsifiés. La majorité des savants, ils disent non. La majorité des savants disent, ils ont falsifié et les sens et les termes. Ils ont falsifié et les sens et les termes. Et ça, c'est la vie qui est juste. Et les savants qui ont dit qu'ils ont falsifié les sens, pas les termes, ils se sont appuyés sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala surat An'am, au verset 115. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Nul ne peut modifier ses paroles. Donc ils se sont argumentés de ce verset-là pour dire que les juifs et les chrétiens ne peuvent, parce que la parole d'Allah, ils ne peuvent pas modifier la parole. Donc ils ont modifié les sens, mais pas les termes. Et ils ont aussi pris le hadith de lorsque le juif, il y a un juif au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé d'apporter la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit par rapport à la sentence de celui qui fait la fornication? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la sentence avec son doigt et il a donné une autre sentence qui n'était pas la sentence de quoi? Du fornicateur et de la fornicatrice. Et il y avait un commandant qui était là, il a dit au prophète qu'il doit enlever, son doigt, il a caché. Il a caché là où se trouve la sentence. Donc, ils ont pris ces délais-là pour dire quoi? Qu'ils ont changé les sens, mais ils n'ont pas changé les termes. Mais ça, ce n'est pas juste. La vie qui est juste, c'est qu'ils ont changé. Ils ont changé et les termes et les sens. Et la plus grande preuve de ça, c'est quoi? C'est la réalité. Le waqi'a. C'est-à-dire, maintenant là, si vous prenez le livre des chrétiens, vous allez voir, il y a trop de quoi? Il y a trop de falsifications. Ils ont falsifié, ils ont changé des paroles, ils ont fait des interpolations, c'est-à-dire, c'est grave. Mais sauf qu'on dit non pas tout falsifié. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat A'raf, Surat 7, au verset 157. Allezina yattabi'una ar-rasul al-nabiyya al-ummiya allazi yajidunahu maktuba 'indahum fi at-tawrah. Allah dit ceux-là qui suivent le messager, l'illettré, celui qu'il trouve mentionné chez eux dans la Torah. Celui qui trouve mentionné dans la Torah. Donc c'est que le prophète Mohammed sallam a été mentionné dans la Torah. Donc il est mentionné dans la Torah. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas tout, falsifié. Ils n'ont pas tout falsifié. Mais bien évidemment, ils ont falsifié, n'est-ce pas, leur livre. Donc la vie qui est juste, c'est la vie de la majorité. Savants, ils ont falsifié. Et les sens et les termes. Maintenant, est-ce qu'on doit regarder ces livres-là? Est-ce qu'on doit lire ça? La Bible et tout ça? Ou bien la Torah? Les savants déconseillent de lire ça. Parce que quelqu'un, maintenant, il va aller lire un livre pareil et il va prendre des conceptions là-bas et il va baser sa croyance sur ça. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui font les débats avec les chrétiens là.
Ils font les débats. Et lui-même, sa croyance, il ne maîtrise même pas d'abord sa croyance. Et voilà pourquoi vous voyez, il tombe parfois dans des erreurs graves. Donc, on ne conseille pas à quelqu'un de rentrer dans ça, de lire cela. Sauf qu'il y a certains savants, comme Ibn Hajar et bien d'autres. Ibn Hajar al-Fath al-Bahri, au tome 13, à la page 255, il dit que celui qui a des capacités, c'est-à-dire qui a la science, qui a la connaissance, qui a les fondements, qui a bien appris sa religion, il n'y a pas de mal qu'il lise dans ces livres-là, si le but, c'est de réfuter les gens des sectes. C'est-à-dire, si le but, c'est de réfuter les juifs et les chrétiens. Comme les savants vont, par exemple, lire des livres des chiens ou les livres de certaines sectes, afin de réfuter. Hein, dans le but de quoi? De réfuter. Jade. Et le cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre, Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddal al-Din al-Masih, la réponse correcte à ceux-là qui ont falsifié la religion de Isa alayhi salam. Et là, il ramène même des versets de la Bible, etc., pour prouver qu'ils sont quoi? Qu'ils sont en train de mentir, qu'ils racontent n'importe quoi. Jade. Donc, certains savants ont permis, dans ce cas-là, quelqu'un qui a d'abord les bases, il a bien appris sa religion, il a des oussouls, mais il prend cela dans le but de réfuter les gens des sectes. Ça, c'est la vie d'Ibn Hajar et de beaucoup de savants. Le cheikh Mohamed Ibn Hadi aussi, Al-Madkhali, Hafizullah, je lui ai posé la question une fois en classe. Je lui ai demandé que est-ce qu'un musulman peut lire les livres des chrétiens dans le but de les réfuter. Il a dit si c'est dans le but de les réfuter et qu'il a bien appris sa religion, il y a des bases, il dit il n'y a pas de mal. Jade. Et ceci est la vie du cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Jade. Mais quant au fait de ce qu'on voit aujourd'hui, et ça devient comme si c'était une deidana, une habitude. Hein? On loue des salles, on fait des conférences, des grandes conférences, débats. Ça devient comme si c'était ça là, c'était pas connu des salaf. Jade. Le musulman, il doit apprendre son tawhid, il doit apprendre sa croyance. Jade. Maintenant, s'il peut réfuter les juifs et les chrétiens, il les réfute. Par exemple, il écrit un livre. Comme le cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a eu à faire, quelqu'un qui a le niveau, un savant, qui a la science, il écrit un livre, ou bien une cassette, ou bien un audio, etc. Mais dire maintenant que ça devient comme si, ça dit, la da'wa est basée maintenant que sur ça. Hein? Des grandes conférences, on lit dans les livres des chrétiens, on amène des versets de la Bible. Ça là, vraiment, ça là, les salafs ne connaissaient pas cela. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport au Kutub. Donc, on croit de manière générale que ces livres-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces livres-là, mais quand on dit les livres, ce sont les livres-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, l'Injil et tout. Mais les livres qu'eux ils ont là sur leurs mains, on sait très bien que ces livres-là ont été falsifiés. Ça a été quoi falsifié? Et ça a été falsifié. Non seulement par le Coran a prouvé que ça a été falsifié, deuxièmement, la réalité nous prouve clairement qu'ils ont, falsifié les écritures. Ensuite, il dit wa rusulihi. Nous devons également croire aux messagers. Nous devons également croire aux messagers. Et donc, les messagers, on a déjà parlé de ça. Est-ce qu'il y a une différence entre les messagers et prophètes? Il y a une divergence des savants sur la question. Et les messagers, tous les messagers, aucun des messagers n'a été envoyé à l'humanité tout entière, sauf le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul messager qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, on doit croire à ces messagers-là, de manière générale. Hein, les noms de ceux dont on nous a cité dans le Coran, nous devons croire à ceux-là. Jade. Et nous croyons à tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Jade. Même ceux qu'on ne connaît pas. Jade. Nous croyons qu'il y a des messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur cette terre-là et dont on ne connaît pas les noms. Jade. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, des messagers nous t'avons cités, n'est-ce pas? Et nous t'avons raconté leur histoire. Et il y a des messagers dont nous t'avons pas raconté leur histoire. Et tous les prophètes sont venus avec des miracles. Tous les prophètes sont venus avec des miracles comme c'est venu dans le Sahih Muslim. Donc, nous devons croire à ces messagers-là, qu'ils ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes dans le monde, dont 313 messagers. Et ça, c'est un hadith qui a été authentifié par beaucoup de savants, parmi lesquels le cheikh Al-Albani, le cheikh Mokbe, lui, il a juste authentifié la partie qui dit 313 messagers. Jade. Mais c'est un hadith qui est authentique. Donc ici, là, nous devons croire en ces messagers et nous ne devons pas affirmer les noms des messagers dont on n'a pas un dalil.
Ça veut dire quoi? Il y a des messagers qu'on ne nous a pas cités. On ne nous a pas dit que c'est des messagers. Nous, on n'a pas le droit de venir dire que c'est des messagers parce qu'on n'a pas dit que c'est des messagers. Exemple, aujourd'hui, vous allez entendre certains musulmans qui disent Bouddha. Bouddha, c'était un messager. Tu as un dalil. Où est le dalil qui dit que Bouddha était un messager? Où est ton dalil qui dit que Bouddha était un messager? Donc, ce genre de choses comme ça, on ne doit pas le faire. C'est-à-dire venir dire que Bouddha était messager. On n'a pas un dalil qui dit qu'il était messager. Donc, on ne sait pas. Donc, ici, là, les messagers dont on nous a cité les noms, nous disons que c'était des messagers. Et nous croyons à tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Jay, maintenant, venez dire que tel est messager alors que ça n'a pas été cité. On dit non, on ne peut pas affirmer ça. On ne peut pas affirmer cela parce qu'on n'a pas quoi? On n'a pas de dalil. Jay, ça c'est très important. Parce qu'on a vu des gens qui viennent, qui apportent des choses. Bouddha c'était un messager. Bouddha c'était un messager. Vous avez vu ça? Ok, Bouddha était messager. Jay, il faut faire très attention. Ensuite, le cher, il dit Wal ba'thi ba'd al-maut. Et nous devons croire aussi à la résurrection après la mort. J'ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les créatures. On est venu sur cette terre-là, hein, on va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et on va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'on a fait sur cette terre-là. J'ai dit, contrairement à ce que les gens, beaucoup de gens des sectes, hein, des mécréants, n'est-ce pas, ils disent non, quand on meurt, c'est fini. Hein? Quand on meurt, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pourquoi, c'est une erreur. Vous entendez beaucoup de musulmans qui disent cette parole-là. C'est une erreur de dire, quelqu'un, quand on enterre quelqu'un, il dit, il est allé à sa dernière demeure. Non, ce n'est pas sa dernière demeure. Hein? Ça, c'est une erreur de dire cette parole-là. Jade, le Cheikh Ibn Othaymin, là, il a rappelé cela, et beaucoup de savants d'ailleurs. Jade, de venir dire qu'il est allé à sa dernière demeure. Hein? On enterre quelqu'un, il dit, il est allé à sa dernière demeure. Non, ce n'est pas sa dernière demeure. La dernière demeure, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Ce n'est pas dans la tombe. Jade, donc, ça, c'est important de comprendre ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les créatures. Jade, Allah nous a créés et il est capable de nous ressusciter. Donc, les êtres humains seront, tout le monde, toutes les créatures, on va être quoi? Ça y est, les êtres humains, les animaux, etc. On va être ressuscités. Jade? Donc, le musulman doit croire en cela. Jade, c'est pourquoi, quand tu vois des gens qui disent qu'après la mort, il n'y a rien, ça c'est vraiment, ça dit même aklan, même avec la raison, c'est vraiment la catastrophe. Donc, vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. On vient sur cette terre-là. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens qui font le désordre sur la terre. Hein? Ils boivent le vin, ils tuent les gens qui sont innocents, ils tuent des gens qui sont innocents, ils font la fornication, ils volent l'argent d'autrui, ils escroquent, hein? Ils insultent des gens, ils tuent des enfants même, et puis ils disent non, on va mourir, il n'y a rien après la mort. Non, ça ne peut pas aller. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Si tu crois que non, tu es venu sur cette terre-là, tout ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire qu'après la mort, il n'y aura rien, tu es en train de te tromper. Hein? Et c'est Shaitan qui est en train de faire quoi? Qui est en train d'égarer la personne, qui est en train de mettre cette idée, les idées pareilles dans la tête de la personne. Donc ici, là, on dit quoi? On dit que ça, c'est quoi? C'est du coufre. De dire qu'on ne sera pas ressuscité, ou bien de dire qu'après la mort, il n'y a plus rien. Non. Hein? Ou bien les gens qui disent qu'on n'a qu'une seule vie. Ça, c'est une erreur. Vous allez entendre des musulmans qui disent ça. On est vu qu'une seule fois. Ah! Comment ça, on est vu qu'une seule fois? Et le haya, la vie qui est après la mort. Donc ça, c'est dangereux. C'est pourquoi on dit aux musulmans d'apprendre la croyance. Quand tu n'apprends pas ton tawhid, quand tu n'apprends pas ta croyance, c'est là où tu tombes dans ce genre d'erreur. Donc on doit faire très attention, les frères. Apprenons bien notre croyance. Okay? Ensuite, le cheikh a dit « Wal iman bil qadr khayrihi wa sharrihi » Et on doit aussi croire au destin, bon ou mauvais. Okay? Le destin, c'est-à-dire que tout ce qui arrive sur cette terre-là a été déjà destiné. Tout ce qui arrive sur cette terre a été destiné. Quelqu'un tombe malade, ça a été destiné. Quelqu'un meurt, ça a été destiné. Hein? Quelqu'un se marie, tout ça, ça a été destiné. Tout ce qui se passe sur cette terre était destiné. Donc, il y a le destin, parmi les piliers de la foi, la croyance au destin. Le musulman doit croire au destin. Que tout ce qui arrive sur cette terre-là a été destiné. Et on va revenir sur la croyance au destin parce que le cheikh va parler un peu de ça vers la fin. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question sur la foi, il a été clair. Hadith dans le Sahih, Bukhari, Muslim, Hadith d'Abu Huraira, il a dit An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'min bil ba'th ba'd al maut wa bil qadr khayrihi wa sharrihi. Hein? Que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que tu crois en Allah, aux anges, la foi c'est que tu crois en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, oui, aux messagers, et tu crois à la résurrection après la mort et au destin bon ou mauvais.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Baqara au verset 285, Amana ar-rasulu bima unzila ilayka bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Allah a dit, le messager a cru à ce qu'on a révélé sur lui, n'est-ce pas, venant de son Seigneur, les croyants également, tous ont cru en Allah, en ses anges, hein, en ses livres et en ses messagers. Et dans la sourate Nisa, sourate 4, au verset 136, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha allazina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitab allazi anzala min qabl. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wa man yakfur billahi wa malaikati wa kutubi rasuli wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ô vous qui avez cru, croyez en Allah, n'est-ce pas, et en son messager, et au livre qu'on a fait descendre sur le messager, sur son messager, le livre qu'il a fait descendre sur son messager, et le livre qu'on a fait descendre avant ce livre-là, n'est-ce pas, et celui qui mécroit en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, et au jour dernier, il s'est égaré d'un égarement lointain. Donc ça, c'est les versets, le hadith et le verset, ça prouve clairement que le musulman doit croire à aux six choses qu'on a citées, la croyance en Allah, aux livres, aux anges, n'est-ce pas, au jour du jugement dernier et au destin bon ou mauvais. Donc ça, c'est les six piliers de la foi, le musulman doit croire à cela. Bien évidemment, il y a beaucoup de détails par rapport à ces six piliers-là, mais nous, on ne va pas rentrer dans trop de tafsilat par rapport à ça, parce que ce n'est pas le but ici par rapport à ce livre. Mais on va en parler, n'est-ce pas, soit à la fin du livre ou bien dans d'autres livres. Donc on s'arrête ici. Pour le cours d'aujourd'hui, on demande qu'Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.